إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما بعد دونك avant de commencer le cours sur le tafsir al-cheikh al ta'ala vous êtes tous au courant de du décès d'un Qui est décédé la nuit dernière. Ashekh Zaïd était un grand savant du sud de l'Arabie, de la région de Jazan, et plus particulièrement dans la ville de Samita. C'était un cher connu, connu des grands savants de notre époque. Beaucoup ont fait ses éloges de son vivant, parmi eux Ashekh El El Al-Fawzan. حفظه الله تعالى كيا prefacé un certain nombre de ses ouvrages euh le cheikh Abdul Al-Abbad euh, également le cheikh Muhammad Al-Subayr رحمه الله euh, l'ancien imam ou l'imam de la Mecque qui est décédé رحمه الله تعالى également beaucoup de savants ont fait les éloges de cheikh Zaid ibn Hadi Al-Madkhali رحمه الله تعالى et je ne doute en aucun cas Que beaucoup de savants vont s'exprimer euh, ou se sont peut-être déjà exprimés suite au décès de ce savant de l'islam, Rahimahullah Ta'ala, Zaid, qui est décédé à l'âge de 76 ans. Il est né en 1938, Rahimahullahu Ta'ala. Il était connu pour son ascétisme et pour euh, son implication forte dans la dawa. Euh, il était connu aussi, Rahimahoullah, pour être proche des jeunes et pour euh, leur prodiguer de nombreux conseils. Il a écrit de nombreux ouvrages, plus d'une soixantaine, Rahimahoullah, dans plusieurs domaines de la religion. Il a beaucoup écrit dans la Aqidah, il a beaucoup écrit dans le Fiqh également. Il a deux volumes où il y a ses euh, fatwas, ta'ala. Et il a également beaucoup de livres où il donne des recommandations quant à la voie des salafs qu'il faut suivre et dans lesquels il met en garde également contre les voies déviantes. Cheikh Rahimahullah Ta'ala était l'élève de grands savants de l'islam. Parmi eux, Cheikh Abdullah al Qarawi, qui était également un savant de la région de Jazan, Rahimahullah il était également l'élève de Hawfed ibn Ahmed al-Hakami, un des signes parmi les signes d'Allah sur cette terre. Cher Hafid ibn Ahmed al-Hakami, qui est mort très jeune. Euh, je ne me rappelle plus exactement à quel âge il est décédé, mais il est décédé très jeune, Rahimahullah Ta'ala. Je crois qu'il devait avoir la trentaine. Et il a laissé un immense héritage de science derrière lui, malgré son. Son jeune âge, et les savants disent que s'il avait vécu longtemps, ça aurait été un immense savant de notre époque. Le Cheikh Ahmed, Hafid ibn Ahmed al-Hakami, ta'ala, dont le Cheikh Zayd était l'élève. Également, parmi ces chouyours il y avait le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, Rahimahullahu ta'ala. Il y avait également le Cheikh Abdullah al rudayyan le euh, grand savant de Riyad qui est décédé aussi il n'y a pas si longtemps que cela. Et cette succession de décès des savants de l'islam doivent interpeller le musulman et doivent nous faire rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a la peu de l'ilm en yantazi'uhu min y ulama". walakin ياخذ العلم باخذ العلماء بوفاه العلماء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي روايه رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا cela doit nous faire rappeler la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans laquelle il dit الله نوتش PAS la science en l'enlevant des poitrines des gens. Voilà qu'ienyent tazihu bi al lama Mais Allah azawajel prend la science et ôte la science par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens prendront alors comme euh repère et comme euh, personnes vers lesquelles ils reviennent, des ignorants. Et ces personnes questionneront ces ignorants, qui leur répondront sans science. Ainsi, ils égareront eux-mêmes et ils égareront autrui. Cela doit nous faire rappeler que nous devons revenir aux grands savants de l'islam. Et que nous devons donner une particularité aux savants qui sont décédés, rahimahumullah. Car les savants qui sont décédés ne peuvent plus être tentés. Ils sont restés sur la voie droite, sur la vérité jusqu'à leur mort, rahimahumullahu ta'ala. Et on ne cesse de répéter que les grands imams de cette époque sont Ash'ar Abdul Aziz. Ibn Abdillah, Ibn Baz, Rahimahullah Ta'ala, Sheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin, Sheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, accrochez-vous à ces trois immenses savants de l'islam qui ont laissé une science immense derrière eux, que ce soit à travers leurs livres ou à travers leurs audios ou même à travers leurs vidéos pour certains d'entre eux. Il faut donc s'accrocher à ces grands savants de l'islam. Et prendre la science qu'ils nous ont laissée, les prendre comme des guides, comme euh, des références et prendre également tous ceux qui les critiquent, tous ceux qui mettent en, tous ceux qui mettent en garde contre eux, tous ceux qui essayent de semer le doute autour de ces grands savants de l'islam, et bien cela doit être une règle pour chacun d'entre nous que celui qui parle en mal de ces trois savants, eh bien, il faut mettre une croix dessus et être persuadé que cette personne n'emprunte pas la voie des pieux prédécesseurs. Nous ne disons pas, bien sûr, que ces trois savants sont infaillibles et qu'ils ne commettent pas d'erreurs. Non, personne n'est à l'abri d'erreurs. Tout être humain est amené à commettre des fautes. Bien sûr, nous devons retourner au Coran et à la sunna du prophète, alayhi wa sallam, mais ce sont ces savants qui nous facilitent la compréhension de, du Coran et de la sunna du prophète, alayhi wa sallam. ce sont des savants qui ont vécu à notre époque, qui connaissent le contexte dans lequel l'on vit, ainsi l'on doit donner une particularité à ces trois immenses savants de l'islam, et bien sûr, cela n'empêche pas de prendre la science des autres savants, mais il faut donner à chaque savant la valeur qui est la sienne et la place qu'allah subhanahu wa taala lui a donnée dans le cœur des musulmans. Et acherzei ibn ahadil il rahimahullah était sans doute l'un des grands savants de cette époque rahimahullah taala. Il laisse derrière lui un grand vide nous demandons à Allah de lui faire miséricorde et de lui accorder une haute place au paradis.